Kucho. President, you may be seated. The court is now back in session. Le président. L'audience est reprise. Before the break this morning, we heard the objections Ce matin, by nous avons entendu the three defense les objections soulevées par les trois équipes de défense sur les documents figurant à l'annexe 3. For that reason, the floor is now open for la the prosecution and the lead co-lawyers et aux co-avocats principaux pour les to present their arguments to those objections. Leur réponse à ces objections. Before I hand over to the prosecution, I'd like to inquire with Toutefois, the co-prosecutors la à l'accusation, j'aimerais leur poser to la question make suivante. Their observation regarding the request by Nunji's defense, c'est-à-dire de faire leurs observations sur la demande that de the Nunji. Prosecution saw provide the identification of all documents que received from DC Cam, tous les documents reçus de DC Cam, so that it would assist them in their debates and in their questioning ce, of the witness. Les aider who is a representative of the DCCAM management du who will be summoned early next week. Qui comparaîtra la semaine prochaine. If you have any observation to make, the prosecution si vous avez may take the floor. Une observation à faire, vous pouvez prendre la parole. Sur cette question préliminaire, Monsieur le Président, à première vue, je pense que nous avons les éléments qui nous permettraient de dire quels documents viennent de DCCAM. Vous avez vu dans notre soumission, dans notre document E/158, que chaque fois que nous avions des renseignements concernant les documents qui figuraient, qui étaient commentés dans ce document-là, nous les avons fournis. Les mettre sous forme d'un, mettre systématiquement sous forme d'un tableau l'ensemble de ces informations devrait nous prendre un certain temps. Donc nous ne sommes pas sûrs de pouvoir le faire avant l'audience de lundi. Je vous remercie. President, thank you. Le président, je vous remercie pour ces précisions. The chamber will now make some observations regarding the request by the defense team of Nunji this morning. La chambre va maintenant the chamber is of présenter the ses observations sur la demande présentée par Nunji ce should matin. Be no issues regarding la chambre est d'avis. The statement made by the prosecution this morning concerning rule 87.3 qu'il n'y a pas de difficulté avec l'observation will de l'accusation the ce matin concernant la règle 87.3 any witness or expert and will also examine other evidentiary material before coming to a final conclusion. Étudier tous les éléments de preuve avant d'en arriver à une conclusion finale. And in order to clarify the matter further, I'd like to hand the floor to Judge Claudia Fence. Je vais laisser la parole à Madame la juge Claudia Fence pour plus d'éclaircissements là-dessus.
I believe there was a problem in the English translation. This actually pertains to a request from Defense of Yangtze, and I think it was abundantly clear the Chamber doesn't take issue with the way the prosecution presented its arguments, and it will decide when or if it takes it up on its offers of proof. Thank you, Mr. President. Le Président. Another bien, je vous remercie. Matter that the Chamber would like to inquire from the parties regarding case 002, in particular in the questioning time to two le temps witnesses, des TCW766, and TCW542. The Chamber do not need to get the confirmation of time at this stage. À ce moment-ci, la Chambre ne cherche but pas à obtenir we would insist to have your confirmation by tomorrow. Toutefois, si so that we can d'ici take that into account in our scheduling de préparer les audiences. For the trial. I noticed the defense team is on his feet. You may proceed. La défense, vous avez la parole. Thank you very much. We will be more than happy to provide you of an estimate of the time we think we need to question the DC camp witness. Has he been invited for one day, or more days been reserved to hear this particular witness? Des journées additionnelles can you give pour me l'interrogatoire de ce témoin? Pouvez-vous nous informer là-dessus? President, there are two issues at hand. First, in the hearing of the testimony of the witness pour that we will summon from the DCCAM, the questioning will be in a general context regarding the general operation of a DCCAM. Portera sur des questions générales, it is not les a detailed proceeding of questioning DCCAM. The person on each piece of document. Sur chaque document. Secondly, the Chamber wishes to know the estimated time by each party that they wish to take in questioning these two witnesses. De fournir
la durée estimée de l'interrogatoire et TCW 542. After we have all the information at hand, we will issue our decision in due course and to allocate appropriate time que la chambre aura toutes les informations dont elle a besoin, elle rendra une décision questioning these two witnesses sur l'interrogatoire de ces deux témoins. I believe the matter is now clear. So it is not proper when we put a question to parties and then you question us back. C'est-à-dire qu'il you can make a preliminary estimation of time you need to question. Répondre par une question, vous pouvez we will gather all the information and the time la chambre that you request. Examinera. And then we would schedule it accordingly so that the trial is expeditious. Planifiera les audiences de sorte à avoir un procès rapide. Et efficace. We now hand the floor to the prosecution. You have 45 minutes to present your arguments in response to the objections raised by the three defense teams regarding the A3 annex. Sur l'annexe 3. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Madame et Messieurs les juges, après les interventions de la défense ce matin, il nous semble opportun d'en revenir aux critères légaux d'application devant vous. Il s'agit de standards minimums de pertinence et de fiabilité selon votre jurisprudence passée. Selon votre première impression, à première vue, est-ce que les documents qui vous sont soumis paraissent pertinents et fiables? Ou est-ce que ces documents sont manifestement susceptibles d'être des faux? Nous rappelons que la jurisprudence internationale dit qu'établir la filière de conservation dans son entièreté n'est pas une exigence, ce que la défense, depuis le début, essaye de laisser penser. Il n'est pas nécessaire de vérifier pour chacun des milliers de documents devant vous qui l'a trouvé, qui l'a donné à qui et en quelles circonstances. Parce que c'est sur la base d'un ensemble d'indices de fiabilité interne et externe et non pas sur la base d'un seul critère, celui de la filière de conservation, que vous devez vous poser cette question prima facie, sans s'attarder à ce stade, à leur valeur probante, est-ce que ces documents de l'annexe 3 apparaissent fiables et pertinents? J'ai entendu ce que les membres de votre chambre ont dit à propos de la règle 87.3 et de la présentation des procureurs, mais je voudrais tout de même répondre rapidement à ce que Maître Carnavas a dit tout à l'heure. Il demande que les coprocureurs présentent les éléments de preuve de fiabilité et d'authenticité. Mais dans le même temps, on nous reproche de témoigner. Ce faisant, il aimerait réduire l'accusation au silence. Or, ce que nous faisons depuis le début de la semaine de ces audiences, ce n'est pas témoigner, c'est vous présenter simplement notre point de vue, le point de vue de l'accusation, sur des éléments de preuve qui existent au dossier, qui sont déjà entre vos mains. Nous n'inventons rien. Libre à la défense, bien entendu, de faire de même. Peut-on nous reprocher de mettre en avant les caractéristiques internes et externes de chaque groupe ou chaque sous-groupe de documents? C'est notre rôle de le faire et c'est aussi notre devoir. Parmi les 58 documents de cette catégorie, de l'annexe 3, 27 ont fait l'objet de commentaires dans notre document E-158. Je vais parfois y renvoyer la chambre. Si 31 procès-verbaux
ne sont pas couverts par ces commentaires, c'est parce que ces commentaires étaient limités aux 978 documents considérés par les coprocureurs comme étant en relation avec les 8 premiers témoins et parties civiles. Dans cette catégorie de procès-verbaux, des réunions, l'on trouvera 22 procès-verbaux de réunion du comité permanent, 26 procès-verbaux de réunions militaires, 6 procès-verbaux de réunions du gouvernement du Kampuchea démocratique, dont 2 réunions du Conseil des ministres et des réunions internes à d'autres ministères. On y trouve également 3 procès-verbaux de réunions ayant trait au commerce international, ainsi qu'un procès-verbal qui a été évoqué ce matin, celui de l'Assemblée du peuple du Kampuchea démocratique. Et je me référerai, quant à ce dernier document, à l'exemple que j'ai donné dans le cadre de l'annexe 2 ce matin. Je vais répondre maintenant à la défense de Nunchia. Concernant le fait que certains documents seraient illisibles, tout d'abord, je voudrais préciser à l'attention des juges et du public qu'ils sont malgré tout plus faciles à lire sur Zilab que lorsqu'ils ont été affichés à l'écran dans la salle d'audience. Alors oui, ces documents peuvent être difficiles à lire, mais il ne semble pas qu'il soit impossible de les lire puisque des traductions en anglais et en français existent au dossier. Même s'il était établi qu'une ligne ou qu'une portion d'un document n'était pas lisible, cela ne remettrait pas pour autant en cause la fiabilité des portions du document qui sont, elles, bien lisibles. Quant à la pertinence de ces 58 documents en relation avec le dossier 1, la défense de Nunchia semble oublier que le procès 1 ne se limite pas uniquement au mouvement forcé, phase 1 et 2, mais qu'il s'étend aussi à un certain nombre de sections de l'ordonnance de clôture, dont la Chambre a pourtant fourni le détail jusqu'à en donner les numéros de paragraphes qui sont concernés. Les procès-verbaux dans l'annexe 3 sont tous directement pertinents pour ce qui concerne la structure administrative centrale ainsi que la structure de l'armée révolutionnaire du Kampuchea. En tout cas, l'un ou l'autre. Par exemple, c'est en lisant les procès-verbaux de réunion du comité permanent que la composition de ce comité apparaît, que la hiérarchie en son sein peut être établie et que le rôle et l'autorité des accusés eux-mêmes apparaissent aussi. Et en les lisant, on comprend comment les dirigeants du Kampuchea démocratique interagissaient entre eux dans ce que nous disons être une entreprise criminelle commune, et l'on comprend comment l'ensemble de la structure du régime fonctionne ou fonctionnait, comment les décisions étaient prises, puis communiquées aux échelons inférieurs. S'agissant des documents relatifs aux procès-verbaux de réunions militaires, leur lecture permet de comprendre la structure militaire détaillée de l'armée révolutionnaire du Kampuchea, ainsi que ses missions premières. Toutes ces sections de l'ordonnance de clôture font bien partie, que la défense le veuille ou non, du dossier 1. Certains documents, plus rares, il est vrai, ont trait également directement au mouvement de population, phase 1 et 2. Je prendrai juste 2 exemples tirés de notre document E109-4.3 qui concerne la première phase du procès. Vous verrez qu'à la dernière colonne, qui est intitulée points de l'ordonnance de clôture, sont repris l'ensemble des points de pertinence pour chaque, en face de chaque document.
entered in there. Et je prendrai deux exemples, mais pratiquement au hasard. Le document IS-13.7, par exemple, c'est un procès-verbal de réunion du comité permanent du 8 mars 1976 qui est intitulé « Procès-verbal de réunion sur la propagande ». Il est pertinent concernant la structure administrative du centre dont fait partie le comité permanent et le ministère du gouvernement. Il est également pertinent pour la structure de communication au sein du centre. Pour ce qui concerne la radio publique, mais aussi le rôle des accusés, dont la qualité de membre du comité central ou de comité permanent. Le document IS-13.34, un exemple typique de procès-verbal de réunion militaire qui date du 9 octobre 1976 et qui est intitulé « Réunion des secrétaires et secrétaires adjoints des divisions et des régiments indépendants ». Celui-là concerne à la fois le passé historique ou l'histoire du parti, la structure militaire dont l'état-major fait partie et le système de communication et de rapport entre les divisions d'une part et le centre d'autre part. J'en viens maintenant à analyser deux grandes catégories de documents. Tout d'abord, les procès-verbaux de réunion du comité permanent du PCK et ensuite un certain nombre de réunions de procès-verbaux de réunions militaires. Concernant les réunions du comité permanent du PCK et les procès-verbaux qui ont survécu, l'accusé, Kyu Sampan, a fait la déclaration suivante le 23 novembre 2011 devant cette chambre. Il parle d'abord des centaines de milliers de pages du dossier et il dit ceci, je cite, « Si vous les aviez lus, auriez-vous osé prétendre que j'étais membre du comité permanent du parti communiste du Kampuchea, alors qu'aucun document, du dossier ne me désigne comme membre de ce comité permanent. Et alors que vous ne disposez que de 19 procès-verbaux de ces réunions sur les 150 à 200 réunions qui ont dû se tenir entre 1975 et 1979. Fin de citation. Et l'accusé continue par ces mots. Je cite, « Si vous aviez lu ce dossier, auriez-vous osé faire mine d'y voir la preuve de mon implication, alors que sur les 19 réunions dont vous avez les procès-verbaux, j'assiste certes à 14 d'entre elles, mais je n'y parle que deux fois, de sujets de ma compétence sans aucun rapport avec des crimes dont vous m'accusez. » Et vous l'aurez compris, Kyu Sampan s'adressait particulièrement au coprocureur. Ces déclarations se trouvent consignées à la transcription de l'audience du 23 novembre qui porte la référence E1-15.1 et ces propos ont été tenus entre 9h52 et 9h54, ça facilitera la recherche. Je pense, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, que vous vous souvenez très certainement de ces propos, de ces affirmations très précises de l'accusé qui, par là même, reconnaissait, à notre avis, la fiabilité, voire même l'authenticité de ces 19 procès-verbaux. En réalité, selon notre comptage, il y en a un peu plus que 19. Il y en aurait 22, comme je l'ai dit.
Déjà le 19 novembre 2007, lors du débat contradictoire devant les juges d'instruction, Kyu Sampan avait aussi reconnu avoir participé à plusieurs réunions élargies du comité permanent en ces termes. Je cite, il est vrai que j'ai participé à des réunions élargies du comité permanent, au cours desquelles on a abordé que des problèmes généraux, tels que la défense nationale, la reconstruction nationale, le Vietnam ou la démission de Norodom Sihanouk. C'est un document C25, à la page 5 en français et à la page 5 en anglais. Dans son livre de 2007, Considération sur l'histoire du Cambodge, Kyu Sampan a confirmé que Pol Pot, Nguyen Chia et lui-même étaient présents à la réunion du 14 mai 1976. Et vous trouverez cette affirmation au numéro de page suivant en anglais 0049-82-63-64. En français, 0064-38-68-69. Et en Khmer, 0038-04-27-28. Il a aussi affirmé dans le même passage que le procès-verbal d'une autre réunion de 1976 concernant notamment les rations de riz, reflétait les pensées exprimées par Pol Pot et il a souligné le fait que ces procès-verbaux n'étaient diffusés qu'à moins de 10 personnes et qu'ils revêtaient un caractère ultra-confidentiel. Alors je m'interroge parce que ce matin j'ai cru comprendre que l'avocat de Kyu Sampan a remis en cause la fiabilité non seulement des documents militaires, mais également des procès-verbaux de réunion du comité permanent. Et je me demande comment la défense de Kyu Sampan peut encore mettre en doute la fiabilité de ces documents. Sous le prétexte que la filière de conservation ne serait pas établie, alors même que l'accusé Kyu Sampan a reconnu devant cette chambre avoir participé à ces réunions dont nous avons les procès-verbaux. J'ose espérer que dans leur réplique, l'équipe, dans sa réplique, la défense de Kyu Sampan pourra nous expliquer s'il s'agit là d'un revirement de position de l'accusé. Would be able to elaborate on their stance. S'il avait le mandat de son client pour le faire. Or if indeed they have. Par ailleurs, il semble bien que Kyu Sampan et même sa défense n'éprouvent en réalité pas de problème à reconnaître l'authenticité et la fiabilité de ces procès-verbaux des réunions du comité permanent. Acknowledging the reliability. Vous noterez que dans son document E131-1-6.2, l'équipe de défense de Kyu Sampan a fait valoir son intention de présenter devant la Chambre trois des procès-verbaux du comité permanent en lien avec les premiers témoins. Dans ce document, l'on ne trouve aucune réserve, aucune objection relative à ces trois documents qu'il souhaitait présenter à certains témoins. Il s'agit des procès-verbaux des réunions du comité permanent du 9 octobre 1975, qui porte la référence IS 13.2, celle du 13 mars 1976, référence IS 13.11, ainsi que D279-7.2 et enfin de la réunion du 19 au 21 avril 1976, IS 13.14 et D279-7.1. Alors que pouvons-nous conclure de cela? Ce qui n'est pas contesté concernant trois documents qui présentent les mêmes caractéristiques que les 19 autres, ne peut pas non plus être contesté pour les autres procès-verbaux
appartenant à la même catégorie de documents. To those documents, then therefore cannot challenge the documents that we have. Alors nous attendons aussi que les avocats de Yang Sari et de Nunchia, dont les clients ont fréquenté Kyu Sampan lors de ces mêmes réunions du comité permanent, réagissent à tout cela. During those meetings. Peuvent-ils encore douter que les déclarations d'un des participants à ces réunions ne suffiraient pas à démontrer qu'il existe des éléments de fiabilité à première vue suffisants pour que ces procès-verbaux de réunion du comité permanent soient admis par cette chambre and therefore be admitted into evidence. La question est donc posée, elle est ouverte. Et nous entendrons certainement les réactions de la défense à ce propos. Alors voilà pour ce qui concerne les procès-verbaux de réunion du comité permanent. Je pourrais m'arrêter là. Mais je vais tout de même encore m'étendre un peu sur le sujet et vous dire ceci. 18 de ces 22 procès-verbaux portent la mention du nom des participants à ces réunions. Selon ces documents, Nunchia a toujours été présent à ces réunions. Nunchia was present at those meetings. Pol Pot a participé à 17 sur les 18 qui mentionnent le nom des participants. Of the 18 meetings, Kyu Sampan had participated in 15 of the 18 meetings, and Yang Sari had 10 de ces 18 réunions. In fact participated in 8. Ces 22 procès-verbaux présentent une apparence identique. Ils suivent un format qui est généralement le même. All of these documents bear the same formatting and contain the same characteristics. Les sujets qui sont abordés dans ces procès-verbaux during those meetings, as recorded in the minutes, qui devaient être logiquement débattus au plus haut niveau de l'appareil d'État were obviously subjects et qui sont conformes aux politiques du PCK telles qu'elles apparaissent dans d'autres documents. CPK, par exemple, to other la défense nationale et les affaires étrangères subjects that were figurent discussed parmi les sujets le plus souvent abordés affairs, dans 15 des 22 PV qui ont survécu à la destruction. La vérité du contenu de certains PV a aussi été corroborée par un témoin qui figure sur la liste de la Chambre. Il s'agit du témoin TCW 583 qui a corroboré le contenu. Bien sûr, il n'était pas présent. Il a corroboré le contenu de deux de ces procès-verbaux concernant les affaires commerciales du régime et la délégation de fonctions et de responsabilités aux différents comités du parti. Il était aussi capable de corroborer des informations concernant les rôles de plusieurs comités. Le directeur de DCCAM, dans son interview D311-2 du 6 octobre 2009, a identifié quatre de ces PV, de ces procès-verbaux du comité permanent, et a confirmé que DCCAM en détenait les originaux. DCCAM had indeed been in possession. Il s'agit des documents IS-13.1, IS-13.24, IS-13.5 et IS-13.2. 20 de ces 22 procès-verbaux de réunion du comité permanent ont été reçus selon la base de données de DCCAM de l'expert TCE 38. L'expert TCE 38 sera en mesure de confirmer dans quelles circonstances il a reçu ces documents. Mais une première indication est toutefois donnée dans la version anglaise du document D267-5-1.1.25 à la page 3, qui n'est disponible apparemment qu'en anglais en ce moment. Il explique dans une introduction au document IS-14-1 comment ce document-là a été trouvé ainsi que les procès-verbaux
du comité permanent. Was obtained in addition to the minutes. Il explique que ces documents ont été trouvés selon la personne qui les lui a remises dans un document, dans une maison, pardon, dans laquelle Yeng Sari aurait habité durant le régime du Kampuchea démocratique. At the residence of Yeng Sari during the time. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où l'accusé Qiu Sampan reconnaît la validité d'au moins 19 de ces procès-verbaux, la question de la filière de conservation devient évidemment beaucoup moins importante. Et nous l'avons dit, il ne s'agit que d'un seul des indices de fiabilité qu'il vous est donné d'apprécier. Deux autres procès-verbaux de réunion du comité permanent ont été obtenus par DCCAM auprès du ministère de l'Intérieur en 1996. 21 de ces 22 procès-verbaux ont été communiqués par le bureau des co-procureurs avec le réquisitoire introductif en juillet 2007. And identified in the introductory tandis que le 22e a été placé au dossier par les juges d'instruction durant leur instruction. By the co-investigating judges during the judicial investigation. Enfin, 17 de ces 22 procès-verbaux ont été acceptés comme preuve par votre chambre dans le dossier 1. Je voudrais rapidement donner des exemples de corroboration externe du contenu de ces procès-verbaux des réunions du comité permanent. Cela vous permettra de comprendre que ces décisions ont été suivies des faits selon le contenu d'autres documents ou témoignages. J'en donnerai quatre exemples. Allow me to give four examples. Trois procès-verbaux de réunions du comité permanent ont trait à la nécessité de construire un nouvel aéroport militaire. Il s'agit des procès-verbaux IS-13.2, celui-là date du 9 octobre 1975, IS-13.5 du 22 février 1976 dans la nuit, et IS-13.14 du 19 au 21 avril 1976. Dated 19 April, dans les deux premiers procès-verbaux, chaque fois à la dernière page, il est dit que de nouveaux endroits sont envisagés pour des aéroports et Kampong Chhnang est cité chaque fois comme une possibilité. Dans le troisième procès-verbal d'avril 1976, il apparaît que le comité permanent a déjà choisi effectivement le lieu de construction de ce nouvel aéroport et que ce serait bien Kampong Chhnang. Or, nous avons plusieurs témoignages écrits, personnes qui ont été entendues par les co-juges d'instruction, of witnesses qui établissent que la construction de cet aéroport, tel que décidé par le comité permanent, a effectivement commencé au tout début de l'année 1976, lorsque les premières équipes de construction sont arrivées sur place pour défricher le terrain. Dans le document D166-110, le témoin référencé dans notre liste de témoins comme étant P, donc je répète, P243, à la page 4, explique avoir été envoyé à Kampong Chhnang dès février 1976 avec 10 autres premières personnes pour travailler sur le chantier, ainsi qu'avec 10 Chinois, alors que l'endroit est encore une forêt. Il y a d'autres témoignages, notamment dans le document D232-81 et le document D232-89 de personnes qui ont également travaillé dans les premiers temps de 1976 sur ce chantier tel que l'avait décidé le comité permanent. Deuxième exemple.
Le procès-verbal de réunion du comité permanent du 2 novembre 1975, qui porte la référence IS 13.3, classified under IS 13.3, y est discuté notamment la visite effectuée en Thaïlande par Yeng Sari's juste avant. Visit to Thailand. Or, très simplement, cet événement est corroboré, par exemple, this par un article du New York Times qui mentionne la visite de 5 jours de Yeng Sari en Thaïlande which announces the arrival du 28 octobre 1975. On the 28th of October, il s'agit d'un article d'une page datée du 29 octobre 1975 et qui porte la référence D56-DOC.049. Troisième exemple. Le comité permanent, dans le document IS 13.20, du 17 mai 1976, a discuté de la participation à la conférence des pays non alignés de Colombo. Ceci est renforcé par deux reportages de Radio Phnom Penh, tels que transcrits tout d'abord dans le document de FBIS D262. Point 21 du 2 août 1976, qui explique le départ de Yeng Sari pour cette conférence des pays non alignés de Colombo. Dans le même document, mais à la date du 16 août 1976 et les jours qui ont suivi, les activités de Khieu Samphan et de Yeng Sari à cette conférence de Colombo y sont décrites. Enfin, dernier exemple. Le comité permanent a discuté le 13 mars 1976 de la création d'un comité pour l'examen et la préparation des marchandises à acheter et a nommé Hem, c'est-à-dire Khieu Samphan, comme membre de cette commission, ainsi que Van Yeng Sari comme membre consultatif de cette commission. Il s'agit du document IS 13.11, qui porte aussi la référence D279-7.2. Khieu Samphan semble avoir confirmé lors du débat contradictoire cette fonction dans le document C25, où il dit qu'au sein du bureau 870, il était chargé d'établir un échelon des prix. C'est à la page 4 en français. Par ailleurs, vous verrez au dossier que de très nombreux documents étaient envoyés à Khieu Samphan en matière de commerce, qu'il s'agisse de rapports qui lui étaient adressés directement ou de copies de documents ayant trait aux exportations ou aux importations de marchandises vers le Cambodge démocratique. Il s'agit ainsi, comme illustration, de trois documents IS 18.18, IS 18.19 ou encore D366-7.1.148, qui concernent par exemple, une liste de biens importés de Chine par bateau. J'en viens maintenant rapidement aux 26 procès-verbaux de réunions militaires qui figurent dans cette catégorie à l'annexe 3. Parmi ces 26 documents figurent une quinzaine de procès-verbaux de réunions des secrétaires du secrétaire adjoint des divisions et régiments indépendants, ou alors de réunions des secrétaires de section économique de ces mêmes divisions. Les autres documents sont des procès-verbaux de réunions plus spécifiques, par exemple concernant une division précise du centre. Toutes ces réunions ont eu lieu entre le 16 mai 1976 et le 1er mars 1977. Il y a donc une unité de temps pour tous ces documents et
vous constaterez que bien souvent, les participants sont les mêmes. Pour les réunions générales, qui sont des réunions de coordination d'information, c'est Frère 89, c'est-à-dire Sun Sen, qui les préside, et les dirigeants ou les adjoints des dirigeants des divisions 310, laquelle était dirigée par Eun, O-E-U-N, de la division 450, dirigée par Suong, S-U-O-N-G, la division 703, dirigée par Pin, la division 502, dirigée par Met, la division 290, dirigée par Tal, et la division 164, dirigée par Mout, sont présents, sont presque chaque fois présents. Ils font rapport à leur chef d'état-major, Sun Sen. Parfois, Gengekyu alias Duk est également présent. En général, Sun Sen fait des recommandations finales après avoir entendu les participants en leur rapport. Occasionnellement, vous verrez également que d'autres hauts dirigeants participent à des réunions plus restreintes comme Pol Pot ou Von Vett. Enfin, certaines réunions rassemblaient uniquement la division 703, le bureau de l'organisation et S21. Ce qu'il nous semble utile de mentionner, c'est qu'en lisant tous ces procès-verbaux de réunion, les sujets qui sont à l'ordre du jour épousent en tout point les missions qui ont été assignées à l'armée du centre par la constitution du Kampuchea démocratique et notamment son article 19. C'est un document IS 9.2. Cet article 19 de la constitution dit que cette mission est de défendre les résultats de la révolution, défendre le pays correctement et aussi les travaux d'édification du pays correctement. Les statuts du Parti communiste, IS 9.1, dans leur article 27, confirment que l'armée était responsable de la sécurité intérieure et de la sécurité extérieure, mais aussi qu'elle avait pour tâche de participer à l'édification du pays. La réunion du comité permanent du 30 mai 1976, référence IS 13.21, a porté sur le travail de production agricole de l'armée et confirme donc ce rôle de l'armée de défense du centre et de production agricole tout à la fois. Cette réunion du 30 mai 1976 est directement suivie par des réunions très régulières qui figurent au dossier parmi ces 26 procès-verbaux pendant lesquels les divisions et régiments indépendants font effectivement rapport de leur production agricole. Et l'on constate aussi que l'ensemble de ces 26 procès-verbaux discutent précisément soit de cette production agricole et spécialement la production de riz, soit de l'identification ou de l'élimination des ennemis, des traîtres, soit des affrontements avec le Vietnam, soit enfin de la nécessité de renforcer l'éducation politique des militaires dans les différentes divisions du centre. Si au début, la production agricole paraît être un sujet récurrent, au fur et à mesure, la situation des ennemis de l'intérieur au moment des purges et des ennemis de l'extérieur prend le dessus dans l'ordre du jour de ces réunions. Alors, la plupart de ces documents ont une présentation similaire, même format, même caractère, même structure. Le champ lexical est très spécifique et comprend clairement le langage habituel du régime
comme les mots révolution socialiste, écraser les ennemis ou les traîtres au sein du parti, les mots vigilance révolutionnaire, purge, secret, purge, ou, comme l'a relevé la défense tout à l'heure, impérialiste américain. Genghe Kyo alias Duk a identifié dans le cadre de sa déposition D86.13 des documents du même type. Au moins 20 de ces procès-verbaux de réunion militaire ont été obtenus du ministère de l'Intérieur en 1997 selon la base de données des SECAM. 20 procès-verbaux de réunion militaire ont aussi été admis comme preuve documentaire par votre juridiction dans le dossier 1. Been admitted by the trial chamber during Alors j'en termine et je ne vais pas m'étendre sur les 10 autres documents, étant donné que certains ont déjà fait l'objet de commentaires depuis lundi, ils ont fait l'objet de commentaires dans le document E-158 et je m'y réfère pour le surplus. En conclusion, une fois encore, nous pensons que les éléments que nous avons exposés aujourd'hui et dans notre document écrit sont tels qu'il ne nous paraît pas possible de considérer qu'à première vue, les indices de fiabilité interne et externe ne correspondrait pas au standard minimum fixé par la Chambre pour admettre ces documents comme recevables. Je vous remercie, Monsieur le Président. To admit them into evidence by your honorable chamber. I thank you, Mr. President. Hand over the floor to the lead co-lawyers. Je vais donner la parole aux co-avocats principaux. To respond to the objections by the defense teams aux exceptions qui ont été soulevées par les équipes de la défense. To the annex 3. So you have 15 minutes to make such submission. Vous avez donc 15 minutes. Messieurs les juges, bonjour Thank you, à tous. Mr. President. Je serai assez bref, parce que le sujet des comptes rendus de réunion du PCK a été amplement couvert déjà par les coprocureurs, mais aussi parce que nous débattons de documents qui sont déposés par les coprocureurs, par l'accusation. Et nous considérons que ça n'est pas le rôle premier des avocats des parties civiles de répondre techniquement aux objections de la défense, tant et si bien que nous faisions face aujourd'hui à des objections techniques. Aussi, je me contenterai de faire quelques remarques d'ordre assez général et bref sur la nature et la quantité des objections émises par la défense et mises en relation avec le droit applicable. Cela a été maintes fois répété ces derniers jours et la défense l'a accepté, l'a admis également. Les exceptions qu'ils ont formulées, que ce soit pour les trois équipes de défense, sont assez générales et assez répétitives. Alors, l'équipe de défense de Yang Sari copie et colle à l'infini les mêmes exceptions concernant l'authenticité, la fiabilité et la pertinence des documents. Et l'équipe de Nunchea nous répète qu'il faut absolument entendre M. Yuk Chang. Je pense qu'en formulant ces objections, la défense se trompe de débat. Elle voudrait faire le débat de l'admissibilité des preuves quand elle fait celui de la valeur probante. On l'a répété, j'en conviens, mais je pense que c'est important de le faire. Devant les CETC, la preuve est libre. Et les juges, vous, mesdames, messieurs, évalueront ensuite les preuves selon votre intime conviction. Je pense qu'il est important de revenir quelques instants sur ce principe de liberté de la preuve. Ce principe signifie que tout moyen de preuve est a priori admissible devant votre chambre et que la valeur des éléments, comme je l'ai dit, la valeur probante de ces éléments seront évaluées
par vous-même plus tard. Il existe bien sûr des exceptions à ce principe, mais ces exceptions ne sont recevables que dans des cas précis qui sont prévus par le règlement intérieur. Il convient, pour qu'elles soient recevables, d'objecter des raisons spécifiques qui sont propres à la nature de chaque document, pour que ces objections soient admissibles par cette Cour. Ainsi, si on les applique à la lumière des principes de civil law, les critères d'authenticité, de fiabilité et de pertinence doivent, à notre sens, être interprétés, comme cela a été dit par Monsieur le coprocureur, de façon extrêmement stricte. Cela signifie concrètement que si un document particulier, un document particulier ne sera pas jugé pertinent uniquement s'il porte, on va dire, peut-être sur une autre période que sur le Kampuchea démocratique, où un document ne sera pas jugé fiable si, comme M. le procureur l'indiquait, on suppose prima facie qu'il s'agit d'un faux en écriture. C'est quelque chose d'éclatant. Tel est, à mon sens, le sens du test d'admissibilité pardon, prima facie des éléments de preuve. Ainsi, c'est uniquement s'il apparaît de façon éclatante que la fiabilité, l'authenticité ou la pertinence d'un document doit être remise en doute pour des raisons précises qu'ils devront alors être écartés. Je le répète, l'admissibilité d'un élément de preuve ne préjuge pas de la force probante qui le sera donnée. Et c'est là où je pense que la défense se trompe, comme je le disais, de débat entre celui de la valeur probante qui viendra plus tard et celui de l'admissibilité. J'avais également quelques remarques plus précises à faire concernant la fiabilité et la pertinence des comptes rendus de réunion du comité permanent. Et ce sujet a été amplement couvert également par M. le co-procureur. J'aimerais simplement en terminer par cette question, Madame et Messieurs les juges. Alors que les trois accusés remettent tous en cause la fiabilité des comptes rendus des réunions du comité permanent, mais que, comme cela a été largement prouvé, ils étaient, en tout cas pour deux d'entre eux, membres de ce comité permanent, et pour le troisième, il a admis avoir assisté à de nombreuses réunions de ce comité. Qui mieux qu'eux serait capable de témoigner sur la fiabilité de ces comptes rendus? Je vous remercie. Le président. The time is now appropriate for a break. Les avocats des parties civiles pour ces observations. Le moment est venu de prendre la pause. Nous reprendrons donc l'audience dans 20 minutes.